Eh bien, bonjour à tous, c'est Mariro et aujourd'hui je suis enfin de retour. Eh oui, ça fait 2 semaines d'absence. Bah oui, j'étais préoccupé par les études et maintenant me revoilà. Les stages sont terminés donc je continue les vidéos. Et ce coup-ci, donc on va s'intéresser pardon, aux actualités d'Airstone, à commencer par celle-ci, celle que vous voyez actuellement à l'écran, donc sur le site d'Airstone officiel. Donc, on va pouvoir donc ouvrir les paquets de cartes concernant la nouvelle extension le 27 avril. Donc voilà, le gros titre est là. Les dieux très anciens murmureront dès le 27 avril. Les dieux très anciens approchent. Qu'est-ce qu'il y a des centaines de dieux, des dizaines de tentacules et des projets plutôt intéressants pour l'auberge? Les dieux très anciens, évidemment. Il serait juste de faire votre connaissance et de vous faire redécouvrir Hearthstone sous un pas effroyable, mais formidable nouveau jour. Avec l'extension, découvrez 134 cartes flambant neuves, garanties sans corruption, qui ne manqueront pas de chambouler votre perception du jeu, de l'auberge et de potentiellement beaucoup d'autres choses aussi. Les dieux très anciens sont des entités toutes puissantes et bienveillantes, on ne le répétera jamais assez, qui viennent nous montrer comme il est amusant de se détendre et de profiter de la vie. Quelques-uns de nos adversaires et alliés favoris dans l'auberge ont déjà croisé les dieux très anciens, et croyez-nous, cette rencontre leur a été très bénéfique. Donc, la troisième extension de Hearthstone sera disponible dans la boutique en jeu dès le 27 avril en Europe, en Asie, sur Windows, Mac, tablette, iOS et Android et téléphone portable. Bon, en Europe ce sera le 27, aux États-Unis ce sera le 26 avril, ils ont de la chance, un jour plus tôt pour eux. Les paquets de cartes préachetés pourront être ouverts à la même date, donc le 27 avril, je ferai une vidéo où j'ouvrirai les 50 paquets de cartes que j'ai préachetés. Donc, ce jour-là, je ferai une excellente vidéo sur cette ouverture de 50 paquets de cartes pour l'extension. Donc, soyez patients, on va bientôt y être. Donc, ça va, j'espère qu'on va être chanceux à ce niveau-là. Donc, on nous rappelle également que la période de préachat des murmures des dieux très anciens prendra fin une fois l'extension sortie. Donc, n'hésitez pas à également acquérir le lot de 50 paquets de cartes avec le dos de cartes compris. Donc joignez-vous à nous pour célébrer l'avènement de nos nouveaux maîtres, les dieux très anciens. Voilà, donc ça c'était pour la partie de la nouvelle extension, donc qui va sortir le 27 avril. Mais maintenant je vais aborder un autre sujet pas très sympathique. Avec cette nouvelle extension, Blizzard, donc la société qui dirige Hearthstone, eh bien, on va dire qu'il y a également des cartes qui vont être nerfées. Eh oui, il y aura des cartes qui ont, voilà, elles étaient trop puissantes, donc Blizzard a décidé de les réajuster, de les rééquilibrer parce qu'elles étaient trop puissantes. Et donc, on va commencer par cette carte-ci. Donc, je vous dis déjà, le druide, il a pris cher. Je vous le dis déjà, le druide, il a pris cher au niveau de ses cartes. C'est un truc de malade. Donc, on commence par l'Ancient of Lore. Donc, une carte 7 pour 7 points de mana. Donc, c'est une 5-5. Alors, bon, les stats n'ont pas changé. Mais regardez ce qui a changé. Donc, on pourra toujours choisir l'un des deux. Donc l'une des deux options qu'on va nous proposer, ça va être plus piocher deux cartes et ou se restaurer de 5 points de vie, ce sera plus qu'une carte ou piocher 5 points de vie. Voilà. Blizzard a estimé que c'était trop puissant de piocher deux cartes, donc ils ont décidé maintenant que on pouvait choisir plus qu'une carte ou 5 points de vie. Bon, ça reste que discutable, je pense. Peut-être c'était trop puissant pour le druide, donc voilà, c'est assez discutable. Ensuite, force de la nature. Oh purée, ils ont détruit le druide double combo. Blizzard a détruit le gameplay du druide double combo. Donc, avant l'ex donc quand l'extension va sortir, voilà, la nouvelle carte Force of Nature, donc force de la nature, elle va coûter d'abord plus que 5 points de mana. Mais son effet, ça va permettre donc d'invoquer 3 Tréants 2-2. Mais elles n'auront plus charge comme avant.
Et oui, parce qu'avant, ça coûtait 6 points de mana, tu invoquais 3 traits en 2-2 avec charge et qui mouraient à la fin du tour. Et alors tu leur mettais des rugissements pour booster leur attaque et donc tu pouvais facilement OTK ton adversaire. Oui, OTK ça veut dire one shot, hein. D'accord? One turn kill, si on veut reprendre les termes exacts. Et ben voilà, donc cette carte va être tellement pourrie qu'elle, à mon avis, elle va plus être jouée. Franchement, le fait qu'ils ont détruit cette partie de gameplay du druide double combo, je sens que ça va être une tuerie. Voilà, le druide il a pris cher, franchement, il a pris très très cher. Et cette carte force de la nature, ben voilà, il a été tellement nerfé que c'est vraiment triste. D'ailleurs, à mon avis, je ferai une vidéo sur le druide double combo pour vous montrer avant que ce gameplay disparaisse définitivement. Je pense que c'est normal. Il faut le montrer. Donc, je penserai à faire une vidéo avant la sortie de l'extension. Alors, de nouveau pour le druide, encore une fois, donc le Keeper of the Grove, donc. C'était une 2-4 pour 4 points de mana avec l'effet de soit de faire 2 points de dommage ou réduire au silence une créature. Et bien maintenant, elle garde son coup en mana de 4, elle garde les mêmes caractéristiques, enfin son même effet, mais au niveau des stats, donc points de vie et attaque, elle est descendue à 2. Voilà, donc c'est une 2-2 pour 4. Là, à mon avis. Blizzard a vu que c'était trop OP d'avoir une 2-4 pour 4. Voilà. Franchement, c'est vraiment dommage parce que cette créature, elle pouvait facilement rester sur le plateau. Mais bon, Blizzard n'était pas d'accord avec ça. Je trouve ça vraiment dommage. On va passer à la carte suivante, la chouette. La fameuse chouette qui était beaucoup trop puissante, faut l'admettre. Pour 2 points de mana, tu pouvais la sortir et ça. Une 2-1, quoi, et tu pouvais la silence une créature. Et bien maintenant, ils ont décidé de passer cette carte à 3 points de mana. Voilà. Ils ont gardé les mêmes stats, le même effet, mais juste le coût de la carte est passé à 3. C'était beaucoup trop puissant, à mon avis, donc ils ont rehaussé la valeur de la carte. Alors, le Big Game Hunter, donc la fameuse carte, c'était obligé qu'elle allait être nerfée, c'était obligé. C'était beaucoup trop puissant pour 3 points de mana, tu invoques cette carte et ça pouvait détruire un Dr. Boom, ça pouvait détruire une toute autre légendaire qui avait plus de 7 points d'attaque. C'était vraiment trop OP. Et donc Blizzard l'a compris et ils ont décidé donc que cette carte n'allait plus coûter 3 points de mana, mais maintenant elle va coûter 5 points de mana. Voilà. Mais elle garde les mêmes stats, elle garde le même effet, c'est juste qu'elle coûtera un peu plus cher, de nouveau. C'était beaucoup trop puissant, donc c'est normal que on a augmenté sa valeur en coût de mana. Ensuite, carte du chasseur. Donc voilà, la marque du chasseur, je viens de le dire. C'était une carte qui coûtait aucun point de mana et qui donc fait que on met les points de vie d'un serviteur à 1. Et bien maintenant le sort va coûter un point de mana. Voilà. Bon, c'est pas trop grave en soi. C'est juste que c'était un peu trop OP de le jouer gratuitement. Donc ils ont décidé de le mettre à un point de mana quand même. Bon, ça va. C'est pas trop dégueulasse. Alors. Le Braid Fury d'une carte voleur. Alors là, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait Blizzard. Mais vraiment, j'ai pas compris. Ils ont aussi nerfé le voleur. Alors que le voleur, c'est une classe qui est quasiment pas jouée. Je dis bien quasiment. Je veux dire, c'est l'une des classes, un peu comme le chaman, qui n'est plus très jouée ces derniers temps. Donc chaman et voleur. Ce sont vraiment deux classes qui n'est plus quasiment jouées, hein, avec tout ce qui est paladin secret, les paladins rush, les chasseurs aggro, les mages freeze, les mages mecha et tout ça. Bah les chamans et les voleurs, on les oublie quasiment. Eh bien là, voilà, pour revenir à cette carte-là, Blade Fury. Donc
Au départ, elle coûtait 2 points de mana et sa capacité c'était de détruire notre arme pour faire le même nombre de dégâts à tous les ennemis, donc les serviteurs ennemis et le héros ennemi. Et bien maintenant, cette carte elle va coûter 4 points de mana, donc on a doublé son coût en mana et ça va plus faire le même effet quasiment. Il va avoir une petite modification. Donc ça va de nouveau toujours détruire notre arme, ça va infliger les dégâts de notre arme aux ennemis, mais maintenant ça va être que les ennemis, les serviteurs ennemis. Le héros ne compte plus. Voilà. Donc on fera plus de dégâts aux héros ennemis avec Blade Fury. Ce sera juste pour clean le board, mais on pourra plus toucher le héros. Et ça, c'est vraiment. Je pense que c'est quand même un nerf assez conséquent pour le voleur. Parce que voilà, le voleur, il comptait aussi sur ça, sur Blade Fury, pour terminer le jeu, tout simplement. Donc je trouve que c'est quand même un nerf assez lourd. Voilà. Alors, le jongleur de couteau, donc le Knife Juggler. Alors, elle avait 3-2 pour 2 points de mana, avec à chaque fois quand on invoquait une créature, il faisait un point de dégâts à un ennemi aléatoire. Et ben là, on a gardé quasiment tout, sauf juste l'attaque. Voilà, on l'a baissé à 2. Donc ça va, c'est pas un gros nerf en soi, c'est un petit nerf, oui. C'est un petit nerf. On a trouvé que c'était un peu trop puissant d'avoir une 3-2 pour 2, ça c'est vrai que c'est assez puissant, donc ils sont revenus à une 2-2. Mais bon, voilà, c'est juste un petit nerf, mais c'est pas trop grave à ce niveau-là. Le gnome lépreux, donc le Leaper Gnome, qui était une 2-1 pour 1 point de mana et qui infligeait 2 points de dégâts au héros ennemi dès qu'il mourait. Et eh bien maintenant, on a passé son attaque à 1. Donc ça va être une 1-1 pour 1 point de mana. Mais qui garde le même effet. Hein. Donc quand il meurt, il fait 2 points de dégâts à l'ennemi, au héros ennemi. Bon, là de nouveau, c'était assez puissant. On passe maintenant au Golem Arcanique. Golem Arcanique. C'est une carte 4-2 pour 3 points de mana qui a charge. Et son cri de guerre, c'était de donner un cristal de mana à l'adversaire. Et bien maintenant, elle a toujours gardé son coût en mana de 3. C'est devenu une 4-4, mais elle n'a plus charge. Elle n'a plus charge. Et son cri de guerre reste le même, donc donne un cristal de mana donne un cristal de mana à votre adversaire. Donc on a boosté ses points de vie. Mais on lui a enlevé la capacité charge. Donc, pour ceux qui jouaient des decks aggro, donc comme les chasseurs, les guerriers ou les paladins, eh bien, ils vont plus compter sur cette carte-là. Ils vont devoir jouer autre chose, comme Leroy Jenkins. Eh oui, ils vont devoir reprendre un Leroy Jenkins pour combler, parce que le golem arcanique n'a plus la capacité charge, donc ça devient vraiment très embêtant. Le géant de lave! Le géant de lave qui est donc une 8-8 pour 20 points de mana. Et sa caractéristique, c'était donc de coûter un point de mana pour chaque dégât que votre héros a pris. Donc ça veut dire que quand il nous restait plus que 10 points de vie, on pouvait le jouer gratos. Et bien maintenant, ils l'ont passé à 25. Voilà, ils ont juste augmenter le coût en mana, donc on pourra le jouer gratos, mais quand il nous restera plus que 5 points de vie. Voilà, ça c'est pour moi, c'est un peu ennuyant, surtout parce que voilà, avec mon démoniste Endlock, donc je joue avec les géants de lave, eh bien il va falloir que je fasse encore plus attention, que je prenne beaucoup plus de risques pour jouer les géants de lave, parce que maintenant je sais qu'il faudra avoir 5 points de vie seulement pour pouvoir les jouer gratuits. Et ouais, c'est un peu chiant, mais bon, voilà, il faudra s'y habituer. On n'a pas le choix. Et alors, maître du déguisement, enfin maître du déguisement,
C'était une 4-4 pour 4, avec un cri de guerre de donner la capacité camouflage à un serviteur allié. Et bien maintenant, à la sortie de l'extension, on va donc toujours avoir droit à une 4-4 pour 4. Ça n'a pas changé. Mais par contre, son effet ne sera plus le même. Donc son nouveau cri de guerre, ça va donner le camouflage à un serviteur allié, mais jusqu'au prochain tour. Voilà, donc ta créature que tu auras camouflée ne va plus l'être de façon permanente. Ça va durer juste un tour. Bon, là, c'est un petit nerf en soi, mais c'est pas trop dangereux, je pense. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des cartes qui vont être nerfées. Alors franchement, je pense que celle qui a vraiment le plus pris cher, c'est le druide, hein. Donc surtout avec la force de la nature. Franchement, c'est le pire nerf pour le druide, quoi. Surtout ceux qui jouaient le druide double combo, donc il faisait au tour 9 force de la nature pour 6 et le rugissement sauvage qui donnait 2 d'attaque à tous les serviteurs alliés et à ton héros, hein. Et donc tu pouvais OTK ton adversaire. Eh bien, dès que la nouvelle extension sera sortie, ce ne sera plus le cas. Et donc on va dire RIP druide double combo. Voilà. C'est triste à dire, mais franchement, voilà, ceux qui jouaient ce deck-là, ils vont forcément être déçus, c'est certain. Et ils vont devoir trouver un autre moyen pour gagner. Et franchement, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Donc, bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour dans tout ça. Donc, avec les nerfs, avec voilà, l'actualité d'Hearthstone, qui va donc sortir la nouvelle extension des murmures des dieux très anciens le 27 avril. Donc, dès qu'on arrivera à cette date-là, promis, je ferai une vidéo pour l'ouverture des 50 boosters et on essaiera bah, d'avoir de la chance, hein, d'avoir le plus de bonnes cartes possible et on verra bien d'ici là qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, c'était la petite vidéo actualité, la petite voilà, la petite nouveauté et je pense que on va peut-être apprécier cette nouvelle extension ou pas, hein. On verra bien. D'ici là, il faudra se montrer patient. Voilà. Donc, c'était donc la petite vidéo actualité sur Hearthstone. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la commenter, à la partager, etc. Vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Cela dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Mario Hero. Je vous dis au revoir et salut!